Un premier point d'accord entre les États-Unis et la Russie, les deux pays qui effectuent chacun des frappes aériennes en Syrie, se sont accordés ce mercredi à New York. Une réunion d'urgence afin d'éviter tout incident entre leurs militaires et leurs aviations. La première chose à faire est de faire en sorte que la coalition menée par les États-Unis et l'armée russe, qui exerce maintenant des opérations en Syrie à la demande du gouvernement, entre en contact et communique pour éviter les incidents. Nous voulons tous que la Syrie soit démocratique, unie et laïque, une Syrie qui accueille tous les groupes ethniques et confessionnels où les droits sont garantis. Une conférence de presse commune avec les mêmes objectifs, mais côté américain, ils n'ont cependant pas caché leurs appréhensions. Au sujet des préoccupations que nous avons concernant la nature des cibles, nous devons les clarifier. De toute évidence, la cible est l'État islamique et nous sommes préoccupés si ce n'est pas ce groupe qui est frappé. Comme le ministre vient de vous le dire, nous avons convenu de nous rencontrer rapidement, dès que possible, et nous sommes tous deux d'accord de l'urgence de la situation. Les deux ministres se sont exprimés à la sortie du Conseil de sécurité, quelques heures après les premiers bombardements russes en Syrie. Ce sont les premières images des frappes aériennes russes. La cible, la ville rebelle de Tel Bisseh, dans la province de Homs, l'une des premières localités à s'être soulevée contre le régime syrien. Plus d'une trentaine de morts ont été recensés. Moscou a annoncé avoir effectué 20 sorties aériennes et touché 8 cibles du groupe État islamique, détruisant notamment un des postes de commandement de l'EI. Russes et Américains devraient se rencontrer dans la journée afin de déterminer au plus vite l'espace militaire de chacun en Syrie.